Hello YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Hop là. Moi ça va super, hein. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui devrait être très très rapide. C'est pour la tirer au sort la gagnante du roadbook que voici, qu'on avait fait en tuto ensemble. Hop là, voilà, il s'ouvre comme ça avec l'enveloppe américaine sur ce côté, le petit carnet ici, j'ai fait en plus deux paperclips qui accompagneront ce roadbook avec une petite robe de plage, hein. Pour symboliser l'été, je trouve qu'il n'y a rien de mieux, et avec une petite fleur, voilà, qui est un petit peu en relief, hein. Voilà, voilà. Donc, et puis là, avec son enveloppe ordinaire, j'ai envie de vous dire. Avant de commencer, enfin, avant de faire ce tirage au sort, hop là, je vais le mettre ici. Je voulais vous montrer ce washi. Normalement, vous aurez vu la vidéo du super courrier que Nani m'a envoyé avec ses belles dentelles, et j'avais pas fait attention, mais sur son papier, sur sa serviette en papier, elle m'avait mis un bout de washi tape. Mais regardez-moi ce truc. Non mais j'ai même pas les mots, il est juste énorme ton washi tape, il est mais vraiment canon de chez canon, j'adore. Si tu pouvais me dire, Nani, enfin, si tu passes par là, si tu pouvais me dire où tu l'as eu, ça m'arrangerait. Parce que franchement, mais je le kiffe. Il est trop trop beau. Je vais aller regarder sur plusieurs sites déjà. Et puis voilà. Donc oui, vous allez voir sur mon carnet que j'ai fait faire une dédicace à Ruben. Alors Ruben, c'est mon petit neveu. Et quand je l'ai vu la dernière fois chez ma maman, il m'a dit « Tati, pourquoi tu me dédicaces jamais dans tes vidéos ?» Quand est-ce que tu le feras ? Donc, c'est vrai que j'y pense jamais. Donc, aujourd'hui, j'en profite pour faire une dédicace à mon petit-neveu, mon loulou. Je te fais plein d'énormes bisous. Je t'aime très très fort. Et puis, je te dis au 6 juillet pour faire la fête. Au 6 juillet, mon loulou. Ciao ! Je te fais des gros bisous. Donc maintenant, on va en venir, je suis désolée, hein, c'était une petite aparté, mais il sera content. Et puis moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Donc, maintenant, nous allons tirer au sort. Donc, vous étiez 8 participantes. Il y avait Maëlle Scrap Plaisir. Il y avait Rose Beauty Scrap. Patricia Beaumont. Marie Calac, Laetitia da Silva, Laetitia da Silva, Chambre Anne-Marie, est-ce qu'on va bien le voir? Ouais. Tim Milan, et enfin Nomami Créa. Waouh. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier tout ça en tout petit rikiki. Hop là. Vous allez me dire que j'aurais pu le faire avec vous, mais bon, sans vous. La chaleur me monte au cerveau. J'aurais pu le faire sans vous, mais bon, je me suis dit que voilà. Hein. Comme ça, vous voyez parfaitement que vous êtes toutes les 8. Il y avait aussi Bébé de la chaîne Evansi Scrap, mais du coup, elle n'a pas voulu participer parce qu'elle voulait laisser sa chance vu qu'elle avait déjà gagné. Elle avait déjà gagné, je ne sais plus d'ailleurs ce que tu avais gagné, Bébé, je ne me souviens plus. Enfin bon, elle avait déjà gagné un petit quelque chose. Donc elle m'a dit, je laisse leur chance aux copinettes qui n'ont rien eu.
Donc, c'est tout à son honneur, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est pour ça que vous êtes 8. Je suis super contente. 8, c'est vraiment très, très bien. Dans quoi est-ce que je vais vous mettre, les filles? Enfin, vos noms. Dans rien du tout, vous savez quoi? On va faire comme comme les dés au casino. Hop là! Et je prends celui-ci. Qui est... Patricia Beaumont. Voilà, voilà. Bah écoute, Patricia, je suis très, très contente pour toi. En plus, je devais t'envoyer un petit courrier. Je t'avais dit que j'avais une surprise pour toi. Je devais t'envoyer un petit courrier. Donc, et bah, du coup, ça tombe très bien. Je vais t'envoyer ton courrier avec ton roadbook. Oh, mais crotte, ce focus. Voilà. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres choses à gagner. En général, mes créations, si j'en fais pour moi, si je fais un tuto et que je veux le garder pour moi, de toute manière, il y en a forcément un que je fais pour vous. Et puis, bon, sinon, en général, je les garde. Là, je voulais vous montrer, c'est mes... Alors, attendez, du coup, je vais fermer maintenant qu'on a fini le tirage au sort. Hop là, je vais remettre mon cahier ici. Et du coup, je voulais vous montrer, enfin, elles sont, ah pardon, excusez-moi, elles sont pas finies, hein. Je les ai juste collées et tout, c'était les deux dernières pochettes, vous savez que je vous avais montré qu'elles étaient en train de sécher, donc elles sont pas du tout finies, je les ai même pas encore, j'ai même pas fait de tampon, je les ai juste, j'ai juste mis du... Ok, du pchit-pchit là, des sprays, voilà. Hein. Je les ai juste pchités et puis bah voilà. Voilà, voilà, voilà. Mon Dieu. Est-ce qu'on le voyait? Je suis sûre qu'on le voyait. Mince, 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 mince. Quelle grosse naze. Bon, ben, je vais essayer de faire en sorte de le cacher au montage. J'espère que je vais y arriver. Parce que sincèrement, ça m'embête de recommencer la vidéo. Bon, j'espère que je vais y arriver. Il faut que j'y arrive. Je vais demander à ma fille qu'elle m'aide. Puis, bah voilà. Donc, bah voilà, je voulais juste vous montrer ces deux dernières petites pochettes. Que bah, quand je mettrai en place au mois de septembre, là, je vous ai dit que à partir du mois de septembre, quand je ferai une vidéo, bah, tout ce qui me restera... tout ce qui me restera en goodies, je les glisserai dans une petite enveloppe ou dans une petite pochette pour faire gagner l'une d'entre vous. Donc ça, ce sera une fois par mois. Et ben, je les enverrai sûrement soit dans des petites pochettes en tissu comme ça, soit dans des pochettes en papier que je ferai. Bon, bah voilà, voilà, hein, c'était tout pour ça. On va se quitter, je ne vais pas vous accaparer plus longtemps. On va se quitter sur une petite pensée positive qui sera « Nos vies sont pleines de catastrophes qui n'ont jamais eu lieu ». Et comment c'est bien vrai. On se complique toujours la vie, alors qu'en fait, ben voilà quoi. Il n'y a pas vraiment besoin de se la compliquer. Sur ce, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Et puis, ben, bisous. Ciao.